Voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré à Pentao en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, le MAF. Donc, Emmanuel Osnac et Monsieur Métier vont nous rejoindre dans quelques instants. Petite modalité pratique, si vous avez des problèmes d'audio, vous pouvez envoyer un message via le chat. Qu'on sache si vous avez des difficultés à entendre le son, si le son est trop faible ou trop fort, on va pouvoir ajuster ça au début du webinaire. Et donc, bah, nous allons démarrer. Nous avons une heure de présentation qui est décomposée sur un plan qui est le suivant. Donc, on va se présenter. Donc, déjà les intervenants du MAF, Emmanuel Osnac et Monsieur Philippe Métier. Nous aurons ensuite, de côté Atoll, une petite présentation des technologies que nous abordons et des projets que nous faisons en matière de décisionnel open source. Et ensuite, on va vous présenter la démarche de mise en œuvre de Pentao Community Edition au ministère de l'Agriculture. C'est une démarche qui a été engagée en juin 2012, enfin au printemps 2012. Donc cette démarche s'est vraiment décomposée en trois grandes étapes, en trois grandes phases. Donc bien sûr, la première phase, ça a été de choisir un outil décisionnel open source. Donc Monsieur Métier va vous expliquer un peu cette méthodologie et la façon dont ce choix a été effectué. La deuxième phase, ce sera les premiers pas avec Pentao, donc qui se sont déroulés essentiellement pendant l'année 2013. Et la troisième phase, il s'agit des projets qui ont été qui ont été montés en production, avec deux modules de Pentao, à savoir le module de reporting et également le module OLAP avec Mondrian et Saïkou en client léger. Donc nous verrons des démonstrations de ces deux projets. Donc un des projets s'appelle Nomad, c'est celui qui utilise la technologie reporting, et l'autre projet s'appelle Vals, et celui-ci s'appuie sur des cubes Mondrian. Alors bien sûr, à la fin de la séance, nous présenterons une petite conclusion et aussi le retour final d'expérience du ministère de l'Agriculture, les perspectives aussi avec Pentao. Et on se gardera quelques minutes pour un jeu de questions-réponses que je vous invite à poser au fur et à mesure sur le module de chat en nous envoyant une question sur le compte ABCD Webex, donc l'organisateur. Donc je vais démarrer. N'hésitez pas à nous signaler si vous avez des difficultés côté audio et on essaiera de les résoudre en temps réel. Alors je vais présenter le MAF, ils ne sont encore pas en ligne, je pense qu'il y a peut-être un petit souci technique mais ça va les faire arriver. Donc nous avons travaillé l'an dernier et en 2012 avec le ministère de l'Agriculture. Il faut savoir que c'est une entité qui est détachée à Toulouse de 130 personnes. Qui se constitue de deux sous-entités, on va dire, le CERI, qui est vraiment le département d'ingénierie, dont s'occupe Emmanuelle Osnac, puisqu'elle est directrice de projet, en termes de maîtrise d'œuvre, études et statistiques. Nous avons également une partie production, puisque c'est à Toulouse que sont hébergés l'intégralité des serveurs du ministère de l'Agriculture. Donc il y a vraiment une partie exploitation, également des applicatifs, des applications et notamment Pentao. On a un deuxième rôle, il s'agit du BMSQ, que pilote Monsieur Métier. Oui, bonjour Emmanuel. Ça y est, bonjour, on est connecté, ça y est. Voilà, les personnes du MAF nous rejoignent, donc vous êtes en ligne, Emmanuel et Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et il y a aussi avec nous David Barre et Jérôme Bergougnan. Eh bien, c'est parfait. Donc, du coup, on est sur le slide de présentation du MAF. Donc, peut-être ce serait bien de redétailler ce que je viens de dire plus précisément. Vous n'avez pas entendu, mais vous allez pouvoir vous représenter. Donc, Emmanuel, je te laisse peut-être décrire un petit peu le CERI et le BMSQ. C'est réparti les tâches avec Emmanuel. Normalement, c'est Philippe Métier qui devait commencer. Ouais, voilà, donc Philippe va commencer. Ça ne vous ennuie pas. Ouais, en fait, dans la première diapo, ce qu'on vous explique, c'est que où s'est passé, je dirais, le sujet de cette sous-webinaire, c'est dans un pôle informatique du ministère de l'Agriculture. Un gros pôle, il y a 130 personnes.
qui a deux structures assez différentes. Une structure qu'on appelle le CERI, qui est le Centre d'études et de réalisation informatique de Toulouse. Il y a en fait deux grosses activités à son actif. Une activité d'ingénierie, donc c'est d'informatiser les divers projets informatique du MAF, et dans ce CERI dépend justement le département en charge d'informatisation, d'études et statistiques, dont dépend Emmanuel Ossenac, et qui embarque les projets qui seront présentés cet après-midi autour de Pentaho. Il y en a plusieurs autres départements, mais pour cet après-midi, ça suffit de voir ce point-là. Et la deuxième activité du CERI, qui est néanmoins très importante, en fait, c'est ici à Toulouse, qu'on a toute l'infrastructure d'hébergement du réseau et des architectures nationales dans deux salles blanches. Et donc, il y a une grosse activité de production. Donc, voilà pour le CERI. Il y a la deuxième structure qui est le bureau méthode support et qualité. Alors, ce qui nous intéresse cet après-midi dans la présentation, c'est en fait le bureau qui est en charge tout ce qui est aspect pilotage, méthodologie et support au projet décisionnel pour cet après-midi, mais de façon plus large, l'ensemble des projets et auxquels j'appartiens. Donc en réalité, le rôle de ce bureau, c'est de fournir aux différents projets eh bien, tous les supports, aussi bien techniques que méthodologiques, pour le bon déroulement de leurs activités. Ok, merci Philippe. Bah, du coup, on va se présenter chez nous à Toll pour les gens qui ne nous connaissent pas et participent à la webconférence. Donc nous sommes une société de développement informatique. On est basé à Gevrey-Chambertin, donc en Bourgogne, juste à côté de Dijon. Donc on est maintenant une soixantaine de collaborateurs à travailler autour de pas mal de thématiques. Et on se centre vraiment sur du métier, hein, on s'implique vraiment sur du métier, sur nos projets. Une vraie notion d'excellence technique nous caractérise et on va pouvoir appréhender tout un tas de projets et de domaines de compétences. Alors tout ce qui va tourner autour, bien sûr, de la communication digitale, des applications qu'on va développer sur des navigateurs web, donc des intranets, des extranets, également sur smartphone, hein, sur les dernières applications qu'on va développer. Tout ce qui concerne la dématérialisation des données, la gestion des processus, la gestion du contenu d'entreprise avec les solutions de CM, Enterprise Content Management, donc notamment Alfresco. On est partenaire Alfresco depuis de nombreuses années. On a un pôle Business Intelligence dont je m'occupe, qui va permettre d'appréhender tous les besoins décisionnels que peuvent avoir nos clients, qui vont aller de la conception de l'entrepôt de données au développement des traitements d'intégration pour alimenter ces entrepôts de données et aussi les modules qu'on va mettre en place pour restituer des modules décisionnels, des informations décisionnelles et même géodécisionnelles dans certains cas, puisqu'on traite aussi sur d'autres problématiques métiers, beaucoup de choses qui sont relatives au CIG depuis de nombreuses années chez eux. Voilà, donc on a une palette assez large de couverture fonctionnelle et technique qui nous permet d'appréhender des projets assez variés et assez complexes dans lesquels des briques vont souvent, des modules on va dire, vont souvent s'interconnecter, interréagir les uns et les autres. Par exemple, introduire du décisionnel dans une solution d'ECM, introduire du géographique dans une solution décisionnelle, etc. Voilà, donc c'est là où on va pouvoir s'exprimer au mieux et pouvoir réaliser les projets qui nous intéressent et qui vont vraiment apporter une plus-value aux clients. Alors, quelques références en matière décisionnelle open source. Donc aujourd'hui, nous avons une thématique qui est quand même orientée administration, domaine public. Donc sachez que nous avons travaillé donc avec le ministère de la Culture, on les en remercie encore aujourd'hui. Nous avons d'autres clients sur l'administration, donc le ministère des Finances, nous avons également le ministère de l'Écologie, le CEREMA pour lequel nous venons de finaliser un projet qui durait presque un an. Le CEREMA s'occupe de tout ce qui est transport urbain en France notamment. Nous avons des conseils régionaux, le conseil régional de Bourgogne, la région Aquitaine et tout un tas d'autres conseils régionaux pour d'autres thématiques hors décisionnelles. Et puis nous avons des conseils généraux, des collectivités territoriales,
plus restreintes, donc des conseils généraux, la Côte d'Or, les Pyrénées-Orientales, le Cher, le Maine-et-Loire, jusqu'à des villes ou des agglomérations, donc l'agglomération de Royan par exemple, ou encore la ville d'Albi. Voilà, donc nous sommes en mesure d'intervenir sur un grand nombre de thématiques, et aussi bien dans l'industrie, par exemple chez EADS, Toyota ou encore Delfingen, qui est un sous-traitant automobile. Donc je vais passer la parole au ministère de l'Agriculture pour nous expliquer la première phase, la phase de sélection de Puntao qui s'est déroulée en 2012. Donc je pense que ça va être Philippe qui va peut-être nous détailler un peu toute cette procédure qui a eu lieu il y a 2 ans. Philippe, je vous laisse la parole. Oui, ok, tout à fait. Donc en fait, c'est pas un hasard si le ministère de l'Agriculture s'est tourné vers des solutions open source. C'est clair que toutes les activités gouvernementales sont orientées aussi vers de l'open source. Il y a même une circulaire de notre ancien Premier ministre, justement, qui favorisait, en tout cas qui orientait le recours au logiciel libre. Donc, on est dans une démarche assez courante de ce point de vue-là. Maintenant, en ce qui concerne le MAF lui-même, le choix de Puntao, maintenant, commence à remonter. Ça fait 2 ans que l'on a fait ce choix. Et qu'est-ce qui nous a poussé finalement à rechercher une nouvelle solution d'outillage décisionnel? D'abord, on s'est aperçu qu'on connaissait mieux nos besoins, donc c'est plus facile de choisir une solution. Comme tous les ministères, on a vraiment de très fortes contraintes budgétaires. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les solutions open source, on ne considère pas que c'est des solutions gratuites. Loin de là, on est trop bien placé pour savoir qu'il faut regarder le coût total de possession. Mais on sait que c'est aussi des alternatives valables, c'est dans ce sens-là qu'on les a regardées. On voulait d'autre part diminuer notre dépendance à notre éditeur décisionnel historique qui est SAP, pour des questions là effectivement de budget. Et enfin, on avait constaté que l'offre technique des solutions open source BI avait nettement maturé ces dernières années, et qu'elle commençait à rentrer dans un périmètre de maturité susceptible, effectivement, de nous orienter vers un choix favorable. Voilà, en gros, le contexte général. Donc, du coup, on a lancé un véritable projet, de choix, qui s'appelait COSBIM, pour le choix d'une solution OSBI au MAF. Et les exigences de base de notre DSI avaient été de dire, de toute façon, il nous faut une solution ouverte, au sens, il fallait que, par opposition aux solutions propriétaires, effectivement, qui sont dites fermées. En termes de complémentarité, il était accepté dès le départ qu'on puisse avoir 2 architectures dans notre environnement, donc du SAP et du Puntao. Compte tenu de ces exigences, solutions ouvertes, donc open source, on a retenu, et notre DSI un peu plus loin, open source communautaire. Donc, ça mettait la barre encore plus haut. On a regardé les 5 suites OSBI à l'époque communautaire qui étaient susceptibles de répondre à nos besoins. En réalité, très rapidement, on a vu qu'il n'y en avait plus que 2 qui étaient susceptibles de répondre à nos attentes. Donc, en fait, à l'époque, c'est Spago BI en version 3.23 et Puntao en version 3.9. Et on a donc conduit une méthodologie de choix. C'est peut-être ça qui est intéressant, c'est de voir un peu comment c'est pris pour choisir la solution. Donc, en fait, si on prend la diapo suivante sur la méthodologie de choix, on voit les 4 critères de niveau 1. Et donc la vue fonctionnelle, la vue économique, la vue intégration au MAF et la vue produit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces critères sont pondérés et que carrément au-delà de notre DSI, notre secrétariat général avait demandé à ce que le critère économique lui-même représente 40% du poids du choix. Alors qu'est-ce qu'on mettait dans cette vue économique ? C'est assez intéressant dans la mesure où on est sur les solutions open source communautaires. Mais il y avait des coûts d'acquisition, bien sûr, ça allait faire 0, mais il y avait des coûts d'intégration qu'on prenait en compte, des coûts d'hébergement et la productivité de la solution en termes de conduite de projet.
Ensuite, il y avait le critère classico-classique, la vue fonctionnelle qui représentait 35% du poids. Et là, vous avez tout le détail des critères secondaires. On avait regardé le portail, l'administration, le reporting prédéfini, les tableaux de bord, etc. On avait également un troisième critère qui était la capacité de l'outillage à s'intégrer correctement dans notre environnement technique. Et un cinquième critère qui était la vue produit. Eh bien, le produit, est-ce qu'il a une perspective? Est-ce qu'il est bien suivi en termes de communauté? Est-ce qu'on a de la bonne documentation? Alors, il faut dire donc que l'ensemble de ces critères niveau 1 et 2, il y avait un niveau 3 que je ne vous ai pas présenté ici, mais qui a été l'objet de toute une étude technique en collaboration avec Atoll. Ça a débouché sur 300 contrôles d'exigences techniques. En fait, c'est l'ensemble de ces critères primaires et secondaires. Derrière, on avait environ 300 exigences à vérifier pour deux solutions. Et donc, chaque exigence a été évaluée et on a fait remonter le poids de l'évaluation sur le niveau 2 et ensuite on a appliqué les ratios qui vous sont présentés dans cette diapo. Et au final, donc, on a donc fait le choix de Pentaho. Alors, pourquoi on a fait le choix de Pentaho? Eh bien, pour nous, les fonctionnalités étaient suffisantes par rapport aux besoins. Alors, vous voyez qu'on était quand même assez exigeant parce que pratiquement, on a regardé toutes les fonctionnalités. C'est bien une suite qu'on voulait. Ce n'était pas une brique de suite, parce qu'on savait que les suites, c'est composé de différents modules. On voulait vraiment la notion de suite. On a constaté en termes de constitution de l'architecture que pour nous, c'était satisfaisant et qu'en plus, c'était évolutif, qu'on pouvait utiliser des plugins. On le verra tout à l'heure. L'IHM, c'est comme une partie sensible, hein, c'est un outillage de restitution décisionnelle, donc forcément, je dirais, l'ergonomie avait son importance et globalement, ça a été considéré comme satisfaisant. L'intégration au MAF s'est faite aisément. Alors pourquoi on peut le dire? Ben parce que dans les tests, on n'a pas fait que de regarder les exigences, on a fait ce qu'on appelle des POC, hein, des Proof of Concept. Et dans ces POC, on a effectivement testé des cas d'usage, on va dire, emblématiques de nos besoins. Donc, ça a été jusqu'à implémenter les solutions, et toujours en collaboration avec la société Atoll. On a vérifié, on a également abondamment utilisé la communauté, qui est très active, et on s'est rendu compte de choses, finalement, qu'on se doutait bien. Les limitations de l'outil, bien pour nous, évidemment, reporting ad hoc et GeoBI, rien à voir avec ce qu'on connaît dans d'autres outils. Le multitenant non géré, ça veut dire que, pour nous, multitenant, c'est le fait qu'on est habitué à travailler sur des plateformes centralisées, type SAP, dans lesquelles chaque projet, finalement, a l'impression de travailler seul et ne voit pas les données des autres projets. Or, dans Pentaho, une limite que l'on avait, c'est qu'en termes d'administration déléguée, les administrateurs pouvaient voir toutes les données des autres projets. Donc, c'est ce en quoi on dit que le multitenant n'est pas géré. Mais on verra par la suite que finalement, une architecture basée, non pas sur une architecture centralisée, une architecture projet, pour nous, est tout à fait digne d'intérêt. Et enfin, on avait une gestion des habitations qui était basique. Bon, et là, pour ceux qui pratiquent le décisionnel et la gestion d'habilitation, basique, ma foi, ça met des contraintes, mais quand on sait que quelquefois on nous demande des complexités d'habilitation théoriques très complexes à mettre en œuvre, bon, à chaque fois, il faut regarder de près si le jeu en vaut la chandelle. Ok. Alors du coup, après toute cette étude, Monsieur Métier, vous avez commencé à vous orienter vers vos premiers pas et vos premiers POC, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur cette deuxième étape, je veux dire, après le choix de la solution? Voilà. Alors nous, avant de pouvoir déployer une solution, il faut franchir un certain nombre d'étapes. Donc en fait, on avait le feu vert pour travailler sur Pentaho. On n'avait pas encore le feu vert pour l'inscrire au registre de nos solutions utilisables dans nos projets. Donc, pour franchir ce pas, tout d'abord, on a procédé à l'intégration de Pentaho dans notre environnement d'hébergement au MAF. Donc, ça s'est fait correctement. Bon, je précise pas 50 fois que c'est Atoll qui nous a accompagnés, c'est fait.
Ensuite, on a procédé à une deuxième étape qui était l'industrialisation et le déploiement, parce qu'on savait qu'on avait plusieurs environnements de travail, le développement, l'intégration, la recette, la production, qu'on pressentait que chaque projet allait avoir sa propre plateforme, donc on multipliait les environnements. Donc pour nous, il fallait absolument réussir l'industrialisation et le déploiement, ce qui a été fait. On a rédigé un minimum de guides de bonnes pratiques. On a utilisé et testé des plugins complémentaires, comme on le verra tout à l'heure. Ensuite, on a procédé, en bonne et due forme, à un audit de sécurité et de test d'intrusion, comme on aurait pu le faire, ou comme on l'a fait, pour des solutions comme SAP, donc le même niveau d'exigence. On a externalisé tout à fait l'audit de sécurité et ces tests d'intrusion. Et les conclusions des deux sociétés qui ont procédé à ces tests poussés ont été, pour nous, satisfaisantes. Sachant qu'il y avait deux niveaux de retour, hein, des niveaux qui étaient liés à notre solution d'hébergement Pentaho, à Pentaho lui-même. Sur Pentaho, on n'a pas eu de problème rédhibitoire. Et enfin, on a poursuivi nos tests en POC en termes de reporting. Et point également intéressant, qui est dans l'esprit tout à fait des solutions communautaires, on avait également noté en termes de manque fonctionnel la capacité à mettre à disposition sur la plateforme autre chose que des rapports, notamment des fichiers de données ou des fichiers PDF. Donc, en collaboration avec Atoll, la solution était de dire, ben, écoutez, on partage l'effort, on fait le plugin correspondant à sa tête FeedUp et on le met à disposition sur la communauté, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, ce plugin permet de déposer sur une plateforme Pentaho d'autres types de documents que des rapports, sachant qu'on a vu par la suite que la solution, je dirais, c'est pour un usage, c'est pas pour de la publication massive, hein, ou de documents très volumineux, mais enfin, ça, on peut dire que ça répond à des besoins, on va dire, ponctuels. Voilà en gros l'histoire du choix et de la deuxième étape, je dirais, de la mise au pas de Pentaho dans notre environnement. Ok, ben merci Philippe. Donc du coup, là, on va pouvoir commencer à parler des projets que vous avez réalisés ben, après toutes ces étapes à la fois de sélection de la plateforme de l'outil décisionnel et sa qualification en réel chez vous. Donc moi, je vais introduire les projets, expliquer un petit peu les projets dont on va parler. Donc, ben, on va commencer par Nomad. Alors là, je pense peut-être c'est David qui va expliquer ou Emmanuel, je ne sais pas. T'as pas préparé, peut-être que je vais le préparer. Est-ce que tu as un slide projet Nomad Reporting devant toi, Emmanuel? C'est ça qui compte. Et oui, on l'a, heureusement, Philippe Métier l'avait. Hein. Donc les projets sur lesquels donc on a fait l'expérimentation Pentaho donc couvre le système d'information de la mesure de la performance du ministère. Donc, en fait, le premier projet sur lequel on a travaillé a été le projet Nomad. Donc, ce projet, il vise à mettre à disposition des services déconcentrés et de l'administration centrale une application décisionnelle qui est complètement dédiée au contrôle de gestion. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, cette application décisionnelle, donc, elle est basée sur des flux d'alimentation pour alimenter les données et calculer les indicateurs de performance, et elle s'appuie sur une architecture avec un puits et un magasin. Enfin, il y a un SIO qui permet d'engranger les données opérationnelles. Elles sont stockées dans un puits et diffusées dans un magasin pour des éditions. Ok. L'application de restitution, donc du coup, repose sur la technologie Pentaho avec la mise en place de rapports prédéfinis, donc que la maîtrise d'ouvrage a spécifié dans des maquettes et qu'on a mis en œuvre dans l'outil Pentaho. Alors, okay. Voilà. Alors du coup, ce qu'on peut définir un petit peu, c'est comment fonctionne le module de reporting de Pentaho, en quoi il consiste. Donc le reporting avec la plateforme Pentaho, son objectif, c'est vraiment de délivrer du rapport préformaté. On va pouvoir éventuellement passer des paramètres au travers essentiellement de listes déroulantes dans l'interface. Donc là, on va vraiment être sur une utilisation très courante dans le décisionnel, à savoir générer des PDF hein, qui vont faire une page, deux pages, 10 ou plusieurs centaines. Ça va dépendre des données qu'on va ramener.
On peut, avec Pentaho, obtenir ces rapports soit en mode interactif, donc en se connectant sur la console web et en allant requêter ses propres rapports avec les filtres qui sont intéressants pour nous, ou bien recevoir par mail automatiquement, de façon planifiée, puisque la plateforme est capable de le faire, de façon planifiée, de recevoir des rapports par mail au format PDF ou Excel dans la messagerie. Donc, c'est cette solution de reporting, qui d'ailleurs on retrouve ça dans d'autres solutions open source ou propriétaires, ça permet de couvrir une large palette de besoins. Donc on peut faire des rapports sur des systèmes de production. Là on va plutôt être dans un contexte décisionnel, comme l'a dit Emmanuel, un magasin de données a été monté au préalable pour ne pas impacter les systèmes de production. Et puis on va pouvoir réaliser tout un tas d'états de tableau de bord avec ce module de reporting, donc notamment le client de conception qui s'appelle Pentaho Report Designer. Donc au final, un utilisateur métier qui va consommer des rapports sur la console web, il va avoir des choses qui lui sont prédéfinies. Il va cliquer, il aura quelque chose en gros. Il ne va pas avoir beaucoup d'interactions au niveau de ce qu'on va lui présenter, si ce n'est la sélection des enregistrements qui serviront à bâtir son rapport. Alors pour information, avec Pentaho, et ça a été le cas dans le projet Nomade, on peut bien sûr sécuriser le contenu des filtres en fonction de qui se connecte. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Automatiquement, on va pouvoir, en fonction des droits de la personne, lui filtrer les données qu'on va présenter dans les listes déroulantes, de manière à sécuriser les rapports et en gardant des modèles communs à tout le monde, mais dont les données vont varier en fonction des droits. Alors, ayez bien en tête qu'avec Pentaho, on est capable de faire à la fois du reporting décisionnel, donc c'est ce qui est vraiment fait dans le projet Nomade, puisqu'on est vraiment dans un contexte analytique, c'est-à-dire on a consolidé des données depuis des systèmes opérationnels, on a monté les données dans un magasin de données avec un schéma décisionnel, mais on peut bien sûr aussi utiliser le reporting directement sur des bases métiers pour des besoins précis. Alors, il faudra bien faire attention quand on utilise Pentaho dans ce contexte. L'avantage, c'est que bien sûr, on est en temps réel sur les systèmes opérationnels, mais le petit inconvénient, c'est qu'on peut dégrader ce système opérationnel si on a trop de rapports et trop de requêtes complexes qui vont attaquer ce système opérationnel. Donc, ce qui est quand même conseillé, c'est de travailler avec une zone spécifique pour l'analyse, le reporting, donc l'entrepôt de données, le magasin, la fonçante, ça dépend le nom que vous utilisez. Et là, on va pouvoir mettre à jour périodiquement cet entrepôt de données avec un ETL. Et ensuite, on pourra appeler les rapports sur le serveur décisionnel sans dégrader le système opérationnel. Le seul inconvénient, bien évidemment, c'est qu'on est désynchronisé avec les données, on n'est plus en temps réel. On est peut-être à J-1 sur les données, puisque les traitements tournent plus souvent la nuit. Donc, globalement, le client de reporting de Pentaho est assez puissant. Il a bien évolué ces dernières années. Il permet de se connecter à tout un tas de sources, donc des bases de données, des cubes OLAP, des fichiers même, des flux ETL Kettle, ce qui peut être très pratique dans certains cas. Le moteur de reporting gère nativement plusieurs formats de sortie, c'est-à-dire qu'on va faire un design générique et le modèle qu'on aura fait pourra être exporté sous forme de page web, au format PDF ou sous forme de fichier Excel. Alors, bien sûr, parfois, il y a des petites adaptations à faire en fonction de ce qu'on veut sur tel format, mais ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Alors, le client Pentaho Report Designer nous permet de faire des tableaux, de placer des images, des graphiques également, et on va pouvoir, comme tout ce type d'outils, organiser les données, les grouper, faire des ruptures, consolider la donnée sur des ruptures, faire du formatage conditionnel et introduire des conditions de masquage. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemble l'application Nomade, donc côté développement Atoll, puisque ce développement a été effectué au forfait chez nous
une partie du développement hein, a été effectuée au forfait chez nous et ensuite a été basculée au MAF. Donc, est-ce que là on voit mon écran? Oui, c'est bon. On est ici, voilà, donc sur un serveur de développement. Alors, comme je n'étais pas préparé, bien sûr, alors je retrouve le mot de passe. Voilà. Donc, nous avons développé plusieurs éditions donc, qui s'appuient sur le magasin de données Nomad. Et on a des éditions standards qui ont été conçues avec Pentaho Report Designer. Donc, on va en ouvrir une. Donc là, les éditions, alors voilà, donc c'est exactement ce que j'attendais, un problème d'accès au serveur. Alors, je vais vous montrer les rapports dans le client de reporting, ça sera plus simple. Donc dans le client de reporting, vous allez voir un petit peu comment sont conçus les rapports. Alors le client de reporting est en train de s'ouvrir. Ça vous permettra de vous montrer un petit peu la structure de ces rapports et le côté technique. On a le temps, on vous montrera la restitution côté fonctionnel. Voilà. Donc voilà le client de conception de rapport qui s'appelle Pentaho Report Designer. Donc je vais aller récupérer depuis le serveur, puisque ça c'est possible, mon rapport. Donc je vais me connecter à mon serveur de développement, parce que je n'ai pas mon rapport en local. Donc le client va se voilà, c'est bon. Donc là je suis bien dans le client de reporting, je viens d'ouvrir ma fenêtre de récupération de rapport depuis le client de reporting. Et donc, je vais aller récupérer. Alors, vous voyez, j'ai toute une arborescence qui correspond à pas mal de projets clients. Et là, je vais aller récupérer les éditions que nous avons développées pour le projet Nomad. Donc, l'édition, donc la structure du rapport va s'ouvrir dans le client de modélisation. Donc, c'est un client assez standard, hein, je dirais. Donc, on va pouvoir retrouver une structure de page avec un en-tête de page, donc un report header. Une bande de détails dans laquelle on va pouvoir inclure tous les éléments qu'on souhaite obtenir dans le rapport, donc des graphiques, des tableaux de données, des calculs, des pieds de page, notamment pour mettre la pagination, une date, et on va pouvoir, alors j'espère que, ah non, ça ne fonctionne pas non plus, donc on va pouvoir voir un peu le contenu des sous-rapports, donc pour développer des rapports, on a toute une mécanique hein, qui va constituer à définir la maquette du rapport et à emboîter les uns dans les autres les rapports qui deviennent des sous-rapports. Bon, techniquement, une fois qu'on a compris la mécanique, c'est assez simple. La difficulté, surtout, c'est le temps qu'on va passer à réaliser la mise en page. Voilà. Donc, au final, on va obtenir tout un tas de rapports que je vais essayer de vous montrer au format PDF. Alors, vous pouvez intervenir hein, du côté du MAF si vous le souhaitez pour détailler certains points fonctionnels hein, pendant que j'ouvre des rapports. Alors, je vais essayer de les retrouver. Donc, je vois mon écran. On va laisser tomber la démo, du coup, on aura, je pense, plus assez de temps. On va passer en mode. Donc, les restitutions non adèles sont ici. Alors, je ne sais pas si j'en ai quelques-unes. Donc, on a les maquettes. Je vais vous montrer le cahier des charges. Alors, normalement, les maquettes. Alors oui, ça c'est quelque chose dont je dois vous parler. Alors, exemple, donc là c'est quelque chose qu'on devait vous montrer également. On peut utiliser le composant de base, hein, Pentaho Reporting. Le MAF a eu besoin à un moment, pour un rapport, une édition, d'introduire des cartes statistiques. En gros, on sélectionne un indicateur et on va avoir une représentation
régionale ou départementale de cet indicateur, comme vous le voyez sur l'écran. Et cette restitution va nous permettre d'avoir une approche visuelle des indicateurs. Donc nativement, comme le disait Monsieur Métier tout à l'heure, il n'y a rien qui permet facilement de faire de la carto dans Pentaho. Donc nous, on a travaillé sur un autre plugin, un plugin qu'on place côté serveur et qui fait en sorte que Pentaho devient un petit serveur cartographique. Et on va pouvoir passer à la fois des géométries, alors en l'occurrence là nous avons des régions qui sont représentées, mais la plupart du temps on peut avoir vos propres géométries en fonction du domaine d'activité que vous gérez. Donc ces géométries sont stockées dans une base qui n'est pas forcément spatiale, puisqu'on les stocke en chaîne de caractères au format WKT, et on va pouvoir à partir d'un lien entre une géométrie, donc par exemple une région, et une information statistique, et bien construire une carte en dynamique, hein, c'est vraiment une génération dynamique qui s'effectue en SVG, qui va permettre de renvoyer cette information dans le rapport. Donc vous voyez l'intérêt de Pentaho, c'est que là, peut-être fonctionnellement, on n'a pas tout de base, mais l'open source va nous permettre de rajouter des composants, et notamment ce type de composants cartographiques. Donc, alors pour des raisons qu'on n'a pas très bien compris, ces uns, nous sommes connectés. Ah, on est prêt pour lancer les vidéos si besoin. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, je vais vous redonner la main. Donc ça, c'est une petite vidéo pour vous présenter comment on a intégré en fait la partie Pentaho à notre application Nomad. En fait, on a intégré des liens qui font basculer l'utilisateur vers Pentaho en transparent. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas accès à la console utilisateur. On masque un peu cette partie-là et on le fait ouvrir une nouvelle fenêtre et ils basculent sur les éditions. Donc là, on va faire une démonstration dans Nomad. Donc on commence par rentrer dans l'application. Et on voit là qu'on a créé un nouveau sous-menu avec une liste d'éditions et des liens vers les éditions Pentaho. On a fait des groupes et donc aujourd'hui on a à peu près une vingtaine d'éditions Pentaho intégrées dans l'application Nomad. Donc une fois qu'on passe sur une édition, on a bien la partie formulaire pour définir les critères de notre édition. Donc on a retouché le CSS pour que ce soit en forme avec notre application derrière. Donc on a retouché les couleurs des boutons, le fond, pour que ce ne soit pas trop choquant pour l'utilisateur. Donc on a différents filtres en cascade qui nous permettent voilà, de rechercher la liste d'indicateurs qui nous intéressent. Donc grâce au plugin Acrobat, on a l'édition en PDF directement dans la page. Et après on peut la parcourir. Donc on a des graphes, des comparaisons interstructures, ce genre de choses. Après, on avait fait une demande d'avoir la possibilité d'enlever des graphes pour diminuer un peu la taille de l'édition. Donc là, on fait un test en enlevant la comparaison temporelle, donc les courbes. Donc si on retourne sur l'édition, on voit que voilà, on a le tableau et la comparaison interstructure sans les courbes qu'on avait tout à l'heure. C'est bon, vous m'entendez ? Bon, ouais, très bien, David. Tu peux continuer. Et ensuite, on voulait vous montrer l'édition Carto avec le plugin Atoll PMG. Bon, après, je pense que vous avez expliqué à peu près comment ça fonctionnait. Donc là, sur le même principe, hein, on va sélectionner les indicateurs qui nous intéressent. Il va nous générer une édition avec deux cartes, une carte régionale et une carte départementale. Voilà, c'est ce que je parle. Et à l'intérieur, les valeurs, le nom de la région, le code de département. Et en dernier point, on a fait un dashboard avec le module CDE de Pentaho pour suivre un peu les saisies utilisateurs. Ils ont une partie à saisir, ils ont des valeurs cibles à saisir pour les indicateurs. Donc c'est intéressant pour la maîtrise d'ouvrage de pouvoir suivre l'état, s'il était validé ou pas. Donc là, on voit qu'on a des camemberts, on a des tableaux qu'on peut en natif retoucher avec de la recherche plein texte. Donc là, par exemple, on va rechercher des structures de type DRAF. Et on va, par exemple, rechercher les indicateurs de type pilotage PT, et puis il les filtre automatiquement tout seul. Donc ça, c'est quand même assez agréable. C'est un module, le module CDE, c'est vraiment un module assez simple. D'accord, David.
qu'en termes de développement et on peut faire des choses assez rapidement et avec un beau design, je trouve. Donc, au final, là, sur Nomad, tu disais qu'il y avait une quinzaine d'éditions de reports en place et des tableaux de bord, là, tel qu'on vient de le voir, qui sont développés avec une autre technologie, donc même des plugins qui s'appellent les C-Tools. Là, il y en a plusieurs en place ou pour l'instant Nomad, il n'y en a qu'un et on en a fait d'autres sur une autre application qui s'appelle Handicap, qu'on a fait récemment. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Oui, c'était encore un peu de temps. Alors, précision, là, c'est le MAF qui a fait, vous avez fait en interne, c'est vos propres tableaux de bord. Hein. Moi, je les découvre aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc, un autre projet, j'imagine, une enquête avec une restitution de type tableau. C'est un questionnaire qu'on envoie aux utilisateurs et derrière, on voulait voir en fait le suivi de la saisie. Du coup, on va avoir une courbe de... Ça, c'est l'intégration. Pareil, on a repris le même principe que dans Nomad, en fait. On a l'application, on a fait un module édition et on a les différents dashboards ici. Ok, parfait. Voilà. Donc là, le tableau est un peu plus construit. Ah, ok. Voilà, donc, on a la répartition des saisies par région, comment ils ont répondu au questionnaire, le cumul et le suivi jour par jour, en fait. Ce qui nous permet de savoir à un moment donné si quand ça descend trop, on vous dire là on va faire une relance par mail pour dire aux gens vous revenez et essayez de répondre pour essayer d'avoir ceux qui n'ont pas répondu dans le groupe. Ok, parfait. Donc, écoute, David, c'est nativement, ça c'est quand même pas mal. Vas-y. Très intéressant. On reparlera peut-être des avantages et inconvénients en temps de développement lors de la conclusion. Bon, je vous propose de passer le temps passe vite au projet. Ouais. Projet VALS. Donc, je vais juste reprendre la main pour réintroduire, vous aider à réintroduire le projet, à expliciter un peu la technologie qu'il y a derrière. Puis après, vous ferez la même chose, hein. Vous montrerez un petit peu comment ça fonctionne côté interface Pentaho, peut-être avec une démonstration. Donc, je reprends la main. Je vous laisse commenter, peut-être Emmanuel ou Jérôme. Qu'est-ce que VALS? Donc le projet VALS, donc VALS pour la valorisation des données du suivi d'activité, donc IMAF. Donc l'objectif est d'améliorer le pilotage et l'affectation des ressources humaines et d'aider à la décision pour la hiérarchie finalement au MAF. Donc ça permet, donc le fait de récupérer ces données du suivi d'activité va permettre aux contrôleurs de gestion finalement qui utilisent l'outil Nomad parce que voilà ils font partie du même système d'information. Et bien de réaliser le suivi des agents en service déconcentré, que ce soit au MAF ou au MEDE. Donc aussi, ça permet de valoriser les données qui sont saisies dans un outil de suivi d'activité de côté MEDE. Et en fait, on a valorisé ces données par de l'analyse multidimensionnelle, donc Jérôme rentrera dans le détail lors de sa présentation. Donc là aussi, on a une application décisionnelle. Basé sur le même système que Nomad, avec un système qui permet de récupérer les données, de les stocker dans un puits et de les diffuser dans un magasin. Au MAF, on a vraiment cette architecture-là au niveau du décisionnel, voilà, qui est très cloisonné, SIO puis magasin. Et donc, on plug sur la restitution mais un outil. Et donc là, dans ce cadre-là aussi, ça a été une expérimentation, mais dès le départ choisi pour aller en production, en fait, avec l'outil Pentaho, suite aux expérimentations qui avaient été faites sur Nomad. Et donc, dans ce cadre-là, par contre, c'est un autre aspect, ce n'est pas du rapport prédéfini, c'est du tableau multidimensionnel avec le module SciQ. Voilà, donc je vais juste réexpliquer, mais alors très rapidement, là, qu'est-ce que SciQ? Donc, SciQ, c'est un client d'analyse multidimensionnelle qui repose sur une sémantique OLAP que Pentaho sait gérer. Donc, rapidement, l'OLAP, ça va donner la main aux utilisateurs sur les données. Contrairement au reporting dans le projet Nomad, où finalement tout est préfabriqué, l'OLAP va permettre aux utilisateurs de sélectionner des données, de les mettre en ligne, en colonne, et de construire dans l'interface web des tableaux croisés ou des graphiques. On va voir ça tout de suite. Donc, schématiquement et fonctionnellement parlant, ça repose sur une modélisation qu'on dit en étoile, et qui finalement oriente le modèle, qui l'oriente de façon métier, de manière à simplifier le requêtage et à permettre une exploration multidimensionnelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que technologiquement, côté serveur, ça repose sur
un projet open source qui existe depuis de très nombreuses années, puis qui d'ailleurs est implémenté dans les autres solutions open source concurrentes, JasperSoft, Pagobi. Donc c'est Mondrian qui va permettre de gérer toutes les transactions OLAP côté serveur. Côté client, ben, le choix a été fait d'installer un plugin BI Server Pentaho qui s'appelle Saiku, qui est assez récent, qui date d'il y a 2-3 ans, et qui procure une interface plutôt ergonomique, puisque celle-ci repose sur le drag and drop. Donc je vous propose de voir une petite démo de ce que ça donne sur le projet VALS avec Saiku et Pentaho en client d'analyse. Voilà, je vous redonne la main, Emmanuel, et là vous allez pouvoir nous montrer un petit peu à quoi ressemble VALS dans Pentaho. Donc vous avez juste à repartager votre bureau. Voilà, parfait. Donc Jérôme, oui. Chef de projet VALS. Tout à l'heure on avait David sur Nomad. Vas-y Jérôme. Alors, je vous montre la présentation de l'application VALS. Alors, on passe par un portail d'authentification du ministère de l'Agriculture qui s'appelle EAP, qui permet de taper sur LDAP, ministère de l'Agriculture, et qui, en fonction des droits, va permettre justement d'afficher des données aux utilisateurs. Donc là, on arrive sur Pentaho, donc du coup, analyse multidimensionnelle, avec Saiku Analytics. Et là, je vous propose d'ouvrir justement un rapport prédéfini avec Saiku, qui présente ici justement un tableau avec des indicateurs sur différentes dimensions. Là, on a ouvert un autre tableau justement qui présente différentes valeurs sur différentes dimensions, donc qui fait vraiment l'analyse multidimensionnelle. Un troisième exemple, donc du coup l'affichage de TP, donc de suivi d'activité. Et là, on ouvre du coup le modèle Saiku New Analytics qui permet, comme l'expliquait Sylvain, de faire du drag and drop du coup sur les dimensions et les mesures. Donc là, l'utilisateur va pouvoir choisir les dimensions sur lesquelles il veut requêter. Là, bon, mais sur VALS, en fait, on a une trentaine de dimensions et 5 indicateurs. Donc l'utilisateur peut requêter en fonction d'un coût ou d'un nombre de TP sur toutes les dimensions qui sont temporelles ou dimensionnelles ou structurelles sur l'application. Et typiquement, là, instantanément, en faisant du drag and drop, il peut voir ici un coût, un nombre de TP par rapport à des structures. Donc l'outil va lui restituer, pour certains DDT ou pour certains RAF, le suivi d'activité en termes de coût et le nombre de TP qui a été saisi dans l'application opérationnelle. Et l'intérêt de Saiku, c'est que du coup, on a une interface assez moderne qui permet en HTML5 de faire, de basculer en colonne en ligne, de faire des filtrages locaux, d'avoir du graphique, de filtrer les parents, de les afficher. Donc, tout un tas d'actions en standard qui marche très bien sans surcharge et qui permettent du coup à l'utilisateur d'explorer ses données en fonction de ses critères. Et donc, du coup, d'avoir très rapidement, de pouvoir analyser toutes les données qui sont dans le magasin. Donc là, je vous montre un petit peu, il y a aussi la possibilité de faire des exports Excel ou PDF. Et là, également, de passer en mode graphique. Donc, d'avoir tout un tas de graphiques en termes d'histogrammes, de courbes, de camembert, de nuages de points, et qui permet directement d'avoir une analyse graphique, en fait, des données. Également, un mode statistique avec des moyennes, des écarts, des mines et des max sur les données. Voilà la démonstration, je te repasse la main, Sylvain. Oui, alors juste peut-être compléter le projet VALS, il y a un aspect que je trouve aussi intéressant, c'est que les cubes sont sécurisés. Peut-être tu peux détailler ça ou tu... Là, les données que tu vois dépendent de tes droits aussi. Pas seulement les données, les axes, mais aussi le contenu des données. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas les droits sur les structures ne verra pas les structures. Et on a rencontré une problématique au départ avec VALS, il y avait beaucoup de rôles à gérer. Hein. Donc Pentaho nativement, enfin Mondrian plutôt, on est obligé d'écrire en dur la gestion des rôles au niveau du schéma Mondrian. Donc ça, c'était pas facilement faisable avec les besoins de VALS, parce que je crois qu'il y a quoi, une centaine de rôles, ou 130, je ne sais plus, quelque chose comme ça, de droits. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a mis en place une génération dynamique de la sécurité grâce à une implémentation Java qui permet en fait d'aller chercher en base de données les droits que va avoir la personne qui est connectée pour, je schématise, mais c'est ça,
dynamiquement recréer le cube auquel elle va pouvoir accéder et donc filtrer les données en conséquence. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant de noter, c'est qu'on a pu, grâce à cette mécanique assez avancée, apporter de la sécurité sur les données et faire en sorte que les gens ne voient uniquement peut-être leur structure et les choses qui étaient de leur ressort. C'est bien ça, hein, Jérôme, hein ? C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, je vais, je vous propose, on va arriver au terme, hein, ça passe vite. Donc, on va conclure un petit peu, puis on va demander au MAF les perspectives et les conclusions sur tous les projets qui ont été engagés. D'accord, Sylvain. Bah, écoutez, les conclusions côté MAF. C'est ce qui est marqué dans la diapo. En fait, pour nous, je dirais, les indicateurs sont ouverts pour l'usage de cette solution dans le cadre de son périmètre fonctionnel. Alors, son périmètre fonctionnel, on peut pas dire que Pentaho version communautaire est l'équivalent d'une solution SAP BO BI 4, hein, loin de là. Par contre, à l'inverse, nous, on s'aperçoit que des solutions comme SAP BI 4, quelquefois, on prend un marteau pour écraser une mouche, si vous permettez cette expression triviale. Donc, pour les projets dont l'ensemble des besoins sont satisfaits par la solution Pentaho, donc là où il est bon, Pentaho, chez nous, c'est tout ce qui est tableau de bord, reporting prédéfini, analyse multidimensionnelle. Si on n'a pas de besoins complémentaires, du type en particulier reporting ad hoc, eh bien, on leur préconise Pentaho. Par contre, s'il y a des besoins complémentaires, on ne doublonne pas l'architecture, c'est-à-dire qu'on va préconiser SAP dans un autre cas. Voilà. Donc, la règle, c'est de dire soit les besoins sont entièrement satisfaits par Pentaho et on préconise cet outil, soit on passe sur SAP BI 4. Voilà en gros où nous en sommes aujourd'hui, sachant qu'on utilise la version 4.8. Exact. Voilà. Les limites et les bénéfices de la solution, on a vérifié, effectivement, on a eu une bonne productivité de développement. Je me tourne vers David, tu m'avais cité un chiffre une fois très précis sur votre gain de productivité entre Pentaho et ce qu'on avait dans d'autres outils de reporting. Et c'était quand même assez marqué. Pratiquement diminué par 50% le temps de développement de reporting prédéfini, donc ça c'est un plus. Également, et là, on a constaté que les utilisateurs avaient une très bonne adhésion à l'outil et finalement au reporting qui leur sont proposés. Donc ça, c'est le sésame qui a permis effectivement de continuer à le proposer. Par contre, les inconvénients de l'avantage de la solution ouverte, c'est qu'évidemment, quand qui dit solution ouverte, eh bien, la tendance à la maîtrise d'ouvrage, de demander des spécificités, et que la maîtrise d'œuvre, eh bien, s'entend pour les faire. Voilà. Également, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit au début, sur le fait que Pentaho n'est pas vraiment utilisable chez nous en tant que plateforme centrale. Eh bien, à l'usage, le fait que chaque projet soit environnement, on va dire, ça apporte de la souplesse, et ça permet aussi à chaque projet, et éventuellement, d'apporter des personnalisations nécessaires. Donc, on est dans deux mondes différents, mais finalement, on s'aperçoit à l'usage que ces deux mondes ont leurs propres avantages. Donc, du coup, ayant qualifié l'outil, comme on l'a dit, la solution est éprouvée. Donc, il est inscrit à notre catalogue d'outillage, il est labellisé, il a passé toutes les étapes de certification interne et donc utilisable en tant que tel pour tout projet dont le périmètre fonctionnel est en adéquation avec les services offerts par Pentaho aujourd'hui 4.8. Voilà pour notre vision du MAF. Et du coup, vous avez des nouveaux projets qui vont s'engager sur Pentaho là, dans l'année qui vient ou en 2015? Vous avez déjà identifié des nouveaux projets ou vous êtes sur les projets actuels? Alors, je reprends la main du coup. Donc, côté département d'ingénierie, donc nous, au département études et statistiques, donc on va vraiment capitaliser. Pardon ? Allez-y, vas-y, Emmanuel. On va vraiment capitaliser donc sur cette techno. Donc, on envisage déjà sur d'autres projets de migrer nos applications existantes de restitution sur Pentaho. Donc, voilà, enfin, c'est ce que David a présenté. Déjà, handicap, on vient de le faire. Donc, c'est une première capitalisation pour nous.
Il y a un autre projet qui va partir aussi sur Pentaho et je pense que voilà, Jérôme qui part sur un autre projet risque aussi d'intégrer Pentaho. Il faut voir que c'est ce que je rejoins Philippe, c'est ce qu'on a mis en dernière diapo, c'est l'adhésion des utilisateurs qui vraiment aujourd'hui nous incite à aller vers cet outil parce qu'ils se l'approprient très facilement finalement. Enfin, on voit le module SciQ, enfin, les utilisateurs ils sont très séduits, il y a eu un très bon retour. Donc c'est vrai que du coup, ils sont très moteurs aussi en expression des besoins autour de ce type de restitution. Donc bon, on va continuer sur cette ligne-là. D'accord. Bah, écoutez, il y a du dashboard aussi quand même. Oui, il y a du dashboard aussi. Alors là, maintenant, on fait vraiment bien mature. Ouais. Le module de dashboard qui s'appuie sur tout un tas de plugins hein, qui s'appellent les C-Tools, en effet, est très mature. Nous, on s'en sert dans pas mal de projets clients, notamment un projet qu'on est en train de finaliser au CRMA dans lequel on a fait beaucoup de dashboards. Donc, une technologie très, très avancée, hein, je pense, vous le constatez aussi du côté du MAF. Voilà, ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais on en a vu un petit aperçu avec les tableaux de bord que David a réalisé dans ces deux projets. Alors, on a quelques questions, donc je vais les prendre un peu dans le désordre avant de conclure. Alors, j'ai une question qui quelqu'un nous demande combien y a-t-il d'utilisateurs au MAF sur les applications Pentaho là. Vous arrivez à savoir un petit peu le nombre de personnes qui sont amenées à consulter les rapports et les cubes? Alors, sur les cubes, moi, je peux répondre. On en a défini environ 250, donc dans chaque région française. Et en simultané, on a de l'ordre de 50 utilisateurs par mois, en fait. D'accord. OK. Voilà. Et sur les cubes, on a environ 3 millions de lignes de données par année. Donc, voilà. Et côté reporting avec Nomad Pour Nomad, on est sur une centaine d'utilisateurs avec, ouais, pareil, une cinquantaine de connexions par mois, quoi. OK. Alors, autre question, est-ce que ça a été difficile pour vous d'intégrer Pentaho dans vos applications métiers, dans vos applications intranet hein? Bah, pour Nomad, non, puisque du coup, comme je l'ai montré, on a fait une sorte de bascule transparente. Du coup, il y a très peu de modifs sur l'application d'origine. Et donc, c'était assez simple. On a juste retravaillé la partie CSS et après, on a vraiment tout délégué à la partie console utilisateur Pentaho. C'était assez simple. D'accord. Et une autre question concernant, alors il y a deux questions qui ne sont pas tout à fait connexes. Concernant les tests de sécurité, alors c'est une question un peu précise, on me demande par qui ils ont été réalisés. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Pas par nous déjà. Mais voilà, les tests de sécurité ont été effectués d'intrusion. Alors, ils ont été effectués à travers un marché du MAF et je ne connais pas les sociétés qui travaillent parce que la sécurité, c'est totalement étanche. Voilà, donc du coup, vous n'avez pas le droit de le dire. Voilà. Donc, par contre, ce que vous pouvez dire, est-ce que le résultat des tests ont été globalement satisfaisants? Alors, ce que je peux dire, effectivement, c'est que les tests sécurité ont été des tests complètement professionnels, hein, par des sociétés chargées de ça, et qui valident l'ensemble de nos dispositifs. Et effectivement, comme je l'ai dit, il y avait des retours, deux natures de retours, des retours sur la solution elle-même Pentaho, et je dis c'est satisfaisant, plus des retours sur la façon dont nous-mêmes on hébergeait Pentaho, mais ça ne concerne pas directement. Mais globalement, cette application était certifiée comme satisfaisant à nos exigences de sécurité au sein du MAF en termes de sécurité. D'accord. Alors, une question qui arrive à l'instant, et ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Est-ce que vous avez regardé, vous, Pentaho 5, est-ce que vous envisagez de migrer, Pentaho 4.8 vers 5 quelque chose? Alors là, je vais peut-être revenir, la question va peut-être revenir vers moi, je pense, mais... Oui, on, de toute façon, effectivement, aller vers la 5, bien sûr, il est tout à fait disposé, mais je vous laisse répondre à Sylvain sur l'intérêt d'y aller. Voilà, donc je me pose la question à moi-même. Alors nous, on a regardé Pentaho 5.0, en effet, la version 5.1 vient de sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, tous nos clients en Pentaho 5.8, on ne pouvait pas les monter en version 5 pour plusieurs raisons, mais la raison principale est que la version 5.0 ne nous permettait pas de mixer des utilisateurs qui étaient enregistrés dans un LDAP et des rôles applicatifs qui étaient stockés dans Pentaho. On ne savait plus faire le mix de cette configuration des habilitations. Donc, entre autres, hein, et aussi un manque de stabilité flagrant sur la 5.0
qu'on espère être amélioré en 5.1. Donc nous, on travaille sur ces aspects-là et Atoll, en tant qu'expert sur cette solution, on informera nos clients de la bonne conduite à tenir pour monter en version et la façon de procéder. Pour l'instant, on n'est pas sur... la 5.0 n'est pas valable pour une migration. La 5.1, c'est à qualifier puisqu'elle vient de sortir. Alors, dernière question, on arrêtera là. Justement, qui est finalement un peu lié, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour intégrer Pentaho, cette fois au niveau de vos architectures? Je pense, donc ce qui est explicité, c'est le LDAP, l'intégration dans vos systèmes. Comment ça s'est passé au niveau exploitation? Alors là, au contraire, l'indicateur a été ouvert, hein, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu une prestation pour intégrer Pentaho dans notre architecture, mais par contre, l'ouverture de la solution, d'ailleurs son choix, le pré-choix qu'on a fait autour de Pentaho, on savait qu'elle est articulée, on va dire, de façon satisfaisante avec notre environnement technique. Donc, in fine, le potentiel, on le savait là. Grâce à la prestation Atoll, qui était courte, hein, de quelques jours, on a totalement intégré et relié Pentaho, notre environnement technique d'authentification SSO, d'hébergement, etc., dans notre environnement, sans problématique particulière. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On a un petit peu dépassé, mais on s'excuse encore pour ces petites difficultés techniques, on va dire. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via notre site ou via nos adresses mail qui sont sur le slide d'entrée, le premier slide. Vous allez normalement, vous avez peut-être déjà reçu tous les participants le support de présentation. Quoi vous dire, nous et le MAF, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.